asleep amidst the trees. Bats all a-swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goosehugs and rays. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher et nous sommes en compagnie de Bubule. Bonjour Bubule. Ok, très bien, merci. Et on se retrouve après avoir parlé à la fille de du baron. Et nous devons retourner parler au baron pour dire que sa fille le déteste, alors c'est ce que nous allons faire. Ouais, ben je pousse si je veux d'abord. Allez, Ablette, viens là. On va aller... Ah oui, on peut pas courir, merde. Vas-y, trotte. Non, pas du tout. Je m'en fous de cheveux blancs. Déjà, comment il m'appelle? Sérieusement, il m'appelle cheveux blancs, le mec. Il a aucun respect. Alors. La carte. Raté. Il y avait un... Voilà, ici, porte ouest. Et il faut donc aller... C'est où? C'est ici. Ah, Perchefreux. Allons-y. Tac-tac, 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 tac-tac. Ouais, ouais. Ah, mais je suis plus dedans. Oh, le mec. D'accord. Allez. Allez, vas-y, dépêche-toi. Cherchons ce point de... De voyage rapide, hein, évidemment. Pas de téléportation. Taisez-vous. Il est là. Très bien. Donc on descend. Hop, hop, hop. Allez, voyage rapide. Où se situe Porchefeu? C'est par là-bas. Allez, plus vite. Elle est très lente. Donc c'est ici. Hop, on va aller voir le baron. Allez, on appelle Ablette, Ablette, viens là, Ablette. Oh, ce cheval dissident qu'il faut l'appeler deux fois à chaque fois, c'est relou. Vas-y, viens là, Ablette. Ouais, ouais, méchant, Ablette. On va aller voir le baron, ton petit copain, là. Eh, je suis là, vous avez plus peur maintenant, hein? Allons-y. On va voir la grange en feu aussi d'ailleurs. Enfin, elle est plus en feu du tout. Où est-elle? Ah! Bon, j'ai même pas besoin de rentrer dans le château ou quoi que ce soit. Le baron se. Enfin, il y a direct une cinématique. Le chaman sollicite vos services de sorceleur. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Sorceleux service. Que voulez-vous? Je vous écoute. D'un homme sans peur, le chaman a besoin. Mais vas-y, dis-moi ce que tu veux. Les ancêtres approchent. Des rituels, il faut mener. Âmes errantes, âmes damnées, contre les esprits sans repos, le cercle nous devons protéger. Oh, le relou, il fait tout ça en poème et tout. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Pas d'inquiétude. Le chaman sait qu'un sorceleur ne fait rien gratuitement. Il sait aussi comment prouver sa gratitude. En même temps, tu me demandes de l'aide, tu crois vraiment que je vais le faire comme ça, là? Allez, vas-y, je vais t'aider. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un sorceleur, en effet. Comptez sur moi. On sait même pas ce qu'il veut. Hommes, soyez bénis. Des rituels, mais les rituels, il peut les faire lui. C'est un chaman, non? Le lac, nous devons traverser jusqu'à l'île de Fic. Là, dans le cercle de pierre, le chaman vous attendra. Ok, bah tu m'attendras. Ce sera cette nuit même, à minuit. Non, t'es sérieux? Attendez, c'est quoi comme quête ça? Le vieil ancêtre. Ouais, mais ça sera pas cette nuit là, hein. Désolé, mais non. Au pire, j'échouerai. Puis voilà. Par contre, du coup, on va remettre la quête principale. Affaire de famille. Voilà, où est le baron? Là-bas. Du coup, tu m'as fait descendre de mon cheval pour ça? Ce chaman. Oh, mais c'est pas possible, vous allez m'arrêter à chaque fois? Pas le frelier. Je t'ai tiré des flammes. Ah. N'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. Bah, j'aurais dû t'y laisser, hein, vu ta tête.
Quoi, c'est tout? Je t'ai sauvé la vie, tu vaux que 20 pièces, 20 couronnes, t'es sérieux là? Oh le mec. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre va m'empêcher d'avancer là? Ah, une barrière, c'est la barrière qui m'empêche d'avancer, très bien. Sorceleur, un mot s'il vous plaît. Mais lâchez-moi! Je crois que nous n'avons pas été présentés. On m'appelle le sergent. Un souvenir de mon passé à l'armée, voyez-vous. Ouais, c'est cool. Ça remonte à l'époque où Philippe, enfin je veux dire le baron, et moi-même servions sous la bannière témérienne. Ah, il s'appelle Philippe. Je voulais vous poser une question. Ok, bah vas-y, dis-moi. Qu'y a-t-il? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir, qu'avez-vous fait avec lui? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Délivré son enfant. Sans boire ni manger. Il reste assis. Très bien, il mourra et puis voilà, c'est tout. Par contre, avant de mourir, s'il te plaît, tu peux me dire où elle est, Siri? Ah. Le voilà. Mec, s'il faut, il va devenir super oui, maigre et tout, super beau gosse. Et Violette, je les ai rapportés de Nazaire. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Oh là là, dis-moi où est Siri, là. En Zerikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons. I'm borrowing. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Dea. Son esprit repose en paix. Allez, il faut qu'on parle de votre famille. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose? Bien sûr, j'ai vu votre fille. Rentrons. Il commence à faire frais. Ah, ça y est, le mec il se décide. Il veut surtout pas que quelqu'un d'autre l'entende. Quelles sont les nouvelles? Votre fille est à Ochsenfurt. Pas possible. Comment est-elle? En bonne santé? En sécurité? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous? Parce qu'elle veut pas te voir. Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien? L'avez-vous seulement vue? Je l'ai vue. Nous avons parlé. Elle m'a dit de vous répéter qu'elle va bien et... Quand compte-t-elle rentrer? Et qu'elle ne reviendra pas. Ah ah ah! Elle refuse de revenir. Mais j'ai tout fait préparer pour elle. Ses appartements l'attendent. J'ai fait venir de nouvelles pantoufles de Toussaint. Comment peut-elle? Bah écoute, l'amour ça ne s'achète pas. Hein. Ouais, démerde-toi avec elle. Et mieux ce sera. Voyez les choses en face. Le rôle de père ne vous sied guère. Non mais ne l'énerve pas! Mais je vais changer. Ce sera différent. Si seulement elle revenait. Si elle revenait, l'une et l'autre. Mais tout espoir n'est pas perdu. Elle était à Ochsenfurt, dites-vous. Elle acceptera peut-être de m'écouter. Non, je pense pas. Il va vous essayer, mais je ne miserai pas là-dessus. Je vais tenter ma chance. Il le faut. Sans elle, sans Anna... Ma vie n'a plus de sens. Bah, t'es baron quand même. J'ai rien à perdre. T'as des trucs à faire, je crois, non? Des nouvelles de mon Anna? Vous avez appris quelque chose? Elle est chez les Moires. Ne vous en faites pas. Pour l'heure, parlez-moi de Siri, comme vous l'avez promis. Aïe! Voilà, ça c'est bien ça. Soit la parole donnée, une fois remise, nous avons convié Siri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Ah, ça y est, on reprend le contrôle de Siri, à mon avis. Votre petite, là, une vraie perle. S'en prendre à un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Siri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal. Ah, pas mal. On va pas participer à la chasse, du coup, puisque c'est déjà passé, je suis dégoûté. Tu chasses toujours le sanglier à l'épée? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir.
Où est-ce que tu as appris? Alors, je vais pas dire à Kaer Morhen parce que je le sens mal. Ici, un peu là. Pas étonnant, vu que tu cours le monde toute seule. Et toute seule, elle est des nôtres à présent. Non, je crois pas, non. T'es des nôtres, on trinque ensemble, on a tué un sanglier ensemble, et pourtant, on sait pas comment t'as fait pour arriver jusqu'ici. Une donzelle habillée comme un homme avec un rasoir dans le dos. T'es qui, au juste? Une mercenaire? Ouais, regarde-le, ce petit vicelard, là. On va éviter de parler de notre passé. Je suis pas toujours tombé sur si aimable compagnie. Pas vraiment envie de dire que c'est une sorceleuse. Buvons à l'aimable compagnie. Ah, ça me plaît. Ça boit sec, ça sait manier l'épée. Ça te refroidit un sanglier comme un rien. Une vraie louve que je dis. Ah bah voilà, on sait qu'on lui plaît déjà à lui. Ouais, du calme. Donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, il n'y a plus personne. Wow! Pas étonnant, travers sur la selle. Tu veux parier? Ah, ça clash! Plus fort que moi sur un bourrin. Et je veux voir ça. On parie quoi? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Je vais avoir le cheval. Allez, on se dégonfle. Alors, là, on a les foies? Non. Pourquoi pas, alors? La jument m'appartient. Haha, merde. Me mesurer au bar. Bon, je m'en doutais. Hein. Ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait. Et comment? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Ah non, pas mon épée! Mais non, tais-toi! Pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Non, vas-y, bois, toi. Tu bois plus que moi, donc tu seras bourré plus vite et t'es violent quand tu bois, donc... tu seras énervé contre ton cheval. Allez, du coup, hop. Vélène, nord de la Téméria. Oh, le petit lièvre, il est trop mignon. Et il y en a un qui est content derrière. Vous êtes prêts? Toujours. Premier rendu à la tour. Ancel. Allez, Ancel. C'est parti. Elle est où, la tour? Allez, 3, 2, 1, c'est parti! Votre épée est à moi! Ce sera pas aujourd'hui! Vas-y, dépêche-toi! Mon cheval est plus rapide! Allez, allez! Attendez, je vais tricher! Ouais, ouais, je regarde la map. Ah, y'a pas moyen de tricher. Merde, merde, merde. Voilà, je le retiens. C'est bon. Allez, viens là, gros patapouf. Trop lourd pour ton cheval, hein. Allez, le mec, regardez, hop là. Quoi? Je suis passé à côté. Ah non, j'ai gagné, ça va. Vous filez comme le vent, je suis. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. J'ai eu peur, bah c'était facile hein. Mille merci. Ah la chasse. Ah ouais c'est... Ah non un griffon. Il est peut-être pas perdu. Il est bizarre ce griffon. Elle hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Ah mais sérieux. Pour sauver sa peau, fût-ce au risque de se rompre le cou. Et moi, je veux me battre, là. Certains s'en sont tirés. D'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé, alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça. Jamais. Oh, je connais cette terre-là. Vous apprenez vite.
Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. Oh, le bâtard! Non, je veux pas jouer au Gwent. Je sais où est votre femme. J'ai des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Ah ben, je suis pas allé la voir. Elle était marée de torse et chine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Elle avait plus sa tête en même temps. Enfin, plus toute sa tête, pardon. J'étais censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord. Rien de plus. Allez, la suite de l'histoire. Je suis pourri jusqu'à la moelle. Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Bah, tu t'es bourré la gueule, tu l'as tapé, elle s'est enfuie. Ouais, t'es responsable, mec. Excuse-moi. Non, non, allez, on va être gentil. Il a l'air assez désespéré comme ça. Ton regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs. Mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. Bon, ça m'intéresse quand même, j'ai envie d'écouter. Que allez. Vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre Écoutons version. Sa version. Quand tu veux, hein. Avec Anna, ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Encore. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétabli, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Magnifique. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi, Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson. À tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi à la beuverie. Ah bah bravo! Et moi je veux savoir ce qui s'est passé, parce que ensuite, pas ton passé à toi. Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Ah, en pas mal. Pendant 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Pas mal, la vieille. Prenez bon sang. Un coup en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a coquifié pendant des années, sans un égard pour moi, pour l'amour que je lui vouais. Et tu veux la récupérer après tout ça ? Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Et en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde. Et j'ai jeté sa carcasse au chien. Oh, l'amour, qu'est-ce que ça fait, l'amour? Allez. On ne vous appelle pas le baron sanglant sans raison. Quoi? Votre surnom... Pim, dans ta gueule! ...prend tout son sens. Non, il est lié à une toute autre histoire. Ouais, mais bon, quand même, hein. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Et là, c'est là que tu l'as tapée. Pour la toute première D'accord. fois. D'accord. Il fallait bien la calmer. Mais ça arrivait il n'y a pas longtemps, là, comme ça ? Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout,
espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses? Ouais, d'accord. Embrassé de fleurs, de cadeaux. Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a une crise d'hystérie pour elle. Et une beuverie pour moi. D'accord. Tout s'explique, mais la beuverie, tu l'as jamais arrêtée, donc de toute façon... Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Vous faites la paire. Vous êtes fautif. Non, je trouve qu'il est... Ah là là, je me lave les mains de cette histoire. En soi, je m'en fous, hein. Je ne vois pas pourquoi vous me racontez tout ça. Des histoires avec votre femme. C'est moi qui lui ai demandé, mais bon. Pas le mien. Maudit sorceleur. J'aurais dû m'y attendre. Ouais. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Ah ça, par contre, j'en sais rien, si. Ouais, elle a conclu un pacte, ça, on est d'accord, mais... Ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte. Pourquoi elle est allée là-bas, j'en sais rien. Pourquoi, diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste un an à leur service. Je ne savais pas. Elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elles fassent une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières. Quel foutu cauchemar. Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Faites comme bon vous semble. Ah, je déconseille le mariage. Même à la tête d'homme armé, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois ces moires plus redoutables que ce que les gens d'ici imaginent. Je vais pas rester sur mon cul à attendre. Si c'était votre fille. Pourquoi pas? Vous patienteriez en comptant sur... Allez, bois un coup, sois calme un peu. Probablement pas. Mais je suis sorceleur. Et moi, un père et un mari qui a bousillé sa vie. Et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Ouais, tu vas là, tu vas bousiller la vie de plein de gens. Nous avons un accord. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. À parole donnée. Ah, nous allons voir la suite. Où en étais-je déjà ? Au basilic. Oh le mec, ça fait pas si longtemps que t'as raconté l'histoire. Ah oui. Ah c'est un basilic, d'accord. Rien à voir avec un griffon du coup. Basilic c'est quoi? C'est tête de serpent avec des ailes, c'est ça? C'est pour une épine de même. J'ai cru notre dernière heure arriver. Attention! Si je n'y survis pas... Vous pourrez il est très moche. Vous, plaît dans la vous survivrez. Psst. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Ah, nous allons nous battre. Hop là. Bon, par contre, que je me rappelle un peu. C'est quoi cette énergie? J'ai une énergie là-haut. Il est où? Où il est? Viens là. Il se pose jamais, comment je l'ai... Ah là-bas, mais il s'est posé, merde. Tiens, Basilic. Ah, il m'a empoisonné. Allez, hop. Bon, là, c'est pas trop dur non plus. Allez, on l'achève, là. Là, vas-y, il est coincé. Et ben voilà. Ben, c'est relativement facile avec Siri, en fait, hein. Ah mais non, il a une tête de poulet, il a pas une tête de serpent. C'est pas tout à fait pareil.
Regardez-le. Ah ouais, quand même. Et il a de la force pour pouvoir le porter. Allez, bonne app, Basilic, je me casse. Je ne peux pas l'abandonner. De toute façon, il ne peut pas mourir, c'est lui qui raconte l'histoire. Et du coup, bah, la prochaine fois, on verra s'il meurt ou pas. Hein. Évidemment que non. Et merci à tous de m'avoir suivi. Bisous à tous. Bye bye.